Pourquoi on vole? Et bah, c'est vraiment un espace de liberté, quoi. On découvre les paysages autrement, on apprend la montagne autrement, et c'est surtout des points de vue qu'on n'arrive pas à avoir en randonnée. Pour la beauté du paysage, les sensations de glisse en l'air, la facilité de la redescente. Et puis c'est surtout un moment, c'est calme, quoi. On est tranquille, ouais. C'est tout doux, c'est tout. Plénitude un peu. Je m'appelle Alexis, je vis sur Manigo depuis bientôt 6 ans et du coup j'explore la région en parapente, en marche et vol. C'est vraiment top de découvrir Manigo vu d'en haut. C'est ma troisième année que je vole, j'ai appris au Passage du Vent, c'est une école à Annecy. Je fais aussi pas mal de paralpinisme, donc on monte des sommets en haute montagne et on redescend en volant. Là, j'emmène une boîte découvrir Orcières. C'est un super petit vol rando, facile et accessible. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, je fais du parapente depuis 2-3 ans et surtout du vol rando. Donc là, à Manigo, c'est le top. C'est la deuxième fois que je viens marcher dans les Arabies et c'est vraiment magnifique, tout, les arêtes, les crêtes, la végétation, les alpages, j'adore. Petit plaisir avant le décollage. La pratique du parapente, c'est plutôt un parapente plaisir. Donc, je ne vais pas chercher à faire des grosses performances, mais juste voilà, faire de la rando, descendre en volant, me faire plaisir. C'est vrai que le parapente c'est une super machine, surtout maintenant les voiles light qu'on fait aujourd'hui. On peut enchaîner les sommets à la journée sans trop se poser de questions, on ne se fatigue pas et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on peut décoller d'un point A, atterrir à un point B et hop on enchaîne. Et ça nous fait des longues traversées, c'est ça qui est sympa, quoi.